Hey, salut à tous, c'est Zurich, et bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne Twitch. Je vais partir sur Eternal Darkness, faire la partie 4 et la partie 5 de mon let's play, qui est sur ma chaîne YouTube. Car en fait, je vous l'avoue, j'ai vraiment la flemme de faire une vidéo sérieuse. Donc du coup, je la fais en live. Ah. Par contre, il va faire super chaud dans l'appart. Ouais, j'ai été obligé de couper le ventilateur pour vous faire plaisir, parce que sinon vous auriez dû vous taper, vous savez pas quoi. Dans la partie 3, en fait, je venais de finir l'aventure de l'écuyer. Et du coup, je vais partir. Excuse-moi, je coupais mon téléphone parce que si les messages commençaient à affluer, ça va pas le faire. Donc, on a été à l'écuyer qui avait essayé de tenter de, enfin, qui avait essayé de sauver Charlemagne. Mais qui s'était lamentablement foiré. Donc, où est-ce que j'en étais exactement? Je sais pas. Ouais, ça, on s'en fout en fait. Clé de commode et clé du premier étage. Ben écoutez, on va faire la suite, hein. On part directement. Ouais, c'est pourquoi? Personne, j'en étais sûr. Alors ce jeu, pour ceux qui ne savent pas, influence beaucoup sur la santé mentale du joueur. Comme vous pouvez le voir, l'écran n'est pas tellement droit. C'est normal. C'est parce que ma jauge de folie est basse. Donc si je me rappelle bien, là il faut que j'aille à l'étage. Non, c'est pas ici déjà. Excusez-moi, j'ai cru entendre quelque chose. Oh, mais c'est fini, c'est fait. C'est fini, oui. J'avais pas mis les sorts en raccourci. Si, ça. Salut, Lord Mino. Ouvrir la porte. Va voir ma copine la statue. Ouais, salut. Ah, vous arrêtez avec les portes qui cognent, c'est chiant en France. Dégueulasse. Oui, j'ai bien compris, Lord Mino, le S ne se prononce pas. Ça, c'est quoi ça déjà? Une enveloppe triangulaire flanquée d'un symbole magique. Je peux le faire, ça, normalement. Ah, non, je l'ai pas. Je ne l'ai pas. J'espère pour vous que l'image est correcte. En parlant de ça, il faut que je vérifie quelque chose. Ouais, c'est bon. Ça sera coupé au montage pour ceux qui vont regarder sur YouTube. Ah, mon Dieu! Ah. En fait, le perso regarde les hallucinations, je crois. Donc j'avais trouvé la page. Examiner. Trois nuits, ma vie m'entraîne aujourd'hui.
partie d'Internet, je suis nourri de la vérité des juges de Ok, ça m'avance à rien du tout. Comment ça m'emmerder? Ça, on verra ça plus tard. J'aimerais que la manette arrête de faire ça. Mais pas trop possible a priori. Voilà, une page du chapitre débloquée. Là, je pense pas que je puisse revolver, ramasser, enfin, les munitions. Ouais, et j'ai ma groupie personnelle, hein, comme vous pouvez le voir. Enfin, là, vous ne pouvez pas le voir vu que vous seriez sur YouTube, mais en direct sur Twitch, en fait, vous pouvez voir ma plus grande groupie au monde. Lord de Mino. Dreams. Modern psychology offers only unproven theories. Some see them as the meaningless tossing and turning of a brain settling into a restful sleep. Others see them as laden with symbols of our unconscious desires. To still others, dreams represent the upwelling of the archetypes, normally hidden deep within the recesses of the human collective unconscious. Of one thing I am certain. After a brush with the ancients, our dreams metamorphosize into nightmares. Abby, Abby, Abby. Au pays de mille et une nuits. Excusez-moi. Hold you for years. You ignore all my advances. You dominate my dreams, and I can think of nothing else. I fear I desire you many hundred times more than you love me. My life has become a waking dream, Kareem. For weeks, I have dreamed of an ancient treasure, so precious that it changes all life around it. It must be mine, Kareem. If you truly desire me, as you say, then you will find this for me. Bring this treasure to me, and I will be yours. Both of our dreams will come true. I need nothing more than you. You have enthralled me to the point where I can think of nothing else. Promise, if I leave, you will not forget about me. You need not worry. I desire nothing more than the treasure that you seek. Leave now, Kareem, and I shall await you. Sérieux, la crois pas, putain. Karim Benzema. Non, il a pas trouvé mieux, je crois. Oh mon Dieu, il est mort d'une crise cardiaque. Bon, par contre, il va falloir que je fasse quelque chose pour cette vue de travers. C'est assez embêtant. La meilleure déco au monde. Pour écouter ça pendant des heures.
mon dieu, ils étaient pas morts. Alors. Déjà frapper des touches, ça pourrait être pas mal ça. Hop là. C'est parti pour le massacre sans pitié. Qui va me permettre de regagner un peu de santé mentale. Voilà, nickel, je suis presque au max. Normalement, j'ai plus à me soucier de quoi que ce soit. Si ce n'est de tabasser ce qui mérite d'être tabassé. Au nom de la nation Jaffa. Ah, t'es sérieux? Je peux pas t'achever? Bon, mais je vais te découper alors. C'est une blague. Très drôle, là, Mino. Toi, t'as une rune, toi. Sans déconner quoi. Je vais faire un truc vite fait. Voilà. Il restait pas quelqu'un à buter par là? Non? Bon, tant pis. Ouais, la déco vivante. C'est excellent ce jeu. Franchement, il est excellent. Alors, ici, normalement, j'ai personne à buter. Par contre, j'ai une énigme à faire. Et mais il me faut deux statuettes. Et la deuxième, je crois qu'on va la chercher. Alors, c'est pas par là. Je sais qu'il y a un passage quelque part. Bon, déjà. Je vais mettre la statuette ici. Voilà. Il y a une suite de prévu hein, pour le jeu, elle est en cours de production. A priori, ça serait après celui-là, donc la suite directe. Ah, mais à chaque fois que je vais venir ici, je vais me perdre, quoi. Me perdre dans une ligne droite, quoi. Désolé pour le retour en arrière. J'ai raté quelque chose, c'est pas possible. Il me semble pas qu'elle fût annulée la suite. Je crois qu'elle est toujours en cours. Mais bon, c'est pas comme si je suivais réellement les actualités du jeu vidéo, quoi.
Je ne suis que quelques jeux qui m'intéressent et après le reste, tant pis quoi. Non, c'est bien. Là-dedans, il y a une salle. Enfin, il y a une échelle. Il va se calmer, oui. Rappelle-toi, 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 rappelle-toi. Il y a un passage, mais ouf. Parce que là, je peux pas y aller. Mais putain, mais quel boulet. Oui, qui me parle? Ouais. Voilà. Ça a été vite fait, ça. En fait, si vous voulez, plus la barre de folie est basse, plus les hallucinations et... Et les modifications de l'écran se font sentir, quoi. Ah putain, je les avais oubliés. Le vert, ouais. Et en plus, ça, y a personne. Oh, c'est le top. Voilà, je suis au max. La santé et la magie, je m'en fous. Pour le moment. Je suis fou, de toute façon. Ouais, à part la vie, c'est bon. Téléporteur de merde, warper de merde. Je t'ai grillé. Une autre mort par crise cardiaque. Là aussi. Non, oh, crise cardiaque. Et confiance à mon expertise. Bah oui, tu prends l'arme. Donc maintenant j'en ai deux, ce qui devrait augmenter mes dégâts. Bien sûr. Tu m'as niqué ma life, toi. J'ai plus de batterie. Putain, j'ai passé mon appris. Ah merde, c'est vrai que j'ai changé là. Donc oui, il y a des grésillements, désolé. Il va falloir que vous fassiez avec. Bon allez, c'est reparti.
C'était pour l'Ornino. Qui raffole de ce genre de scène. Tu me fais chier avec tes putains de ténèbres. Une intrigue, pourquoi? Vous savez ce qu'il vous dit, Jack? Normalement, ça devrait pas me prendre 20 minutes quoi, pour faire ça, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi je me suis foiré là. J'aurais besoin de life, je pense. Life is life, la 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 la. Mais non, pas là. Voilà, silence. Je trouve qu'il fait pas assez de jour, qu'il fait pas assez de lumière. Cette fois-ci, pourquoi je peux pas? Ah. Trop lolololololol. Du coup, est-ce que je peux faire le nouveau pouvoir ou pas? Pas encore. Par contre, là, je risque d'halluciner un peu trop. J'ai appris liste de sorts au établissement.
examiner. Ouais, syntaxe, je crois. Il va se calmer le moche. Je n'écris pas devant les screamers. Monsieur, je n'ose même pas regarder l'écran. C'est ma pute. Voilà. Ça m'étonnerait beaucoup. Donc normalement là, si vous pouviez éviter de raconter votre vie sur un truc comme ça où tout le monde peut voir, ça serait top. Vraiment. Normalement ça trigger quelque chose. Ouais, c'est ça. La masturbation, ça compte pas comme la sourdité, Master Pardon.
c'est plus du tout ce qu'il faut faire. C'était des vrais cette fois. Je vais foutre une botte anti-obscénité, je crois, sur le chat. Non, j'ai dit anti-obscénité. Je compte pas en rajouter. De quoi l'obscénité, Master Pard? Ah ben oui, maintenant je vais pouvoir rétablir. J'y avais pas pensé à ça. Est-ce que c'est bien ce que je pense? Ouais! Je peux enfin récupérer la folie! Ah, ça va faire du bien ça. Il n'y avait rien d'autre? Non, bon, on se casse. Il va falloir aussi que je crée. Ouais, il faut que je crée ça moi. Donc, enchanter un objet. Non, c'est nouveau ça. Enchanter un objet. Aliment vert. Non, il faut objet d'abord. Objet. Projection, absorption. Vous savez que je vous crois pas là. Ah oui, c'est vrai qu'ils font boule. L'enfant bleu de Gainsbourg. Ah, de Gainsbourg. C'est quoi cette référence? Lord Nino vient de dire qu'il est chaste.
si comme moi vous n'y croyez pas, appuyez sur 1, 2, 3 et 4. Ah mais j'allais l'achever, sérieux, pas dans les... Non! Perte de temps encore. Voilà. Effigie de rubis. Je parie que ça vaut pas un copec. L'humoriste, pas, pas la pièce de monnaie. Ça fait pas partie des trucs qu'on peut brûler, ça. Sérieux, un coup? Faites pas les doigts humains! C'était pas un boss de fin. Hein. Pour information, c'était un gros monstre, c'est tout. Un Lord Mino. Aussi facile à tuer.
Lol. La clavicule. Elle est pas mal, ça. Pour la petite information, Lord Minos, c'est je suis mort de rire, pas de rigole. Est-ce que je vais me faire demi-tour là? So much for thinking only of me. I should never have left. I have seen my folly and have already paid dearly. I see so much more now. In death, I know the true value of the artifact which I asked you to find. And it is not for us to possess. If we are to be together again, you must make a sacrifice. Only when that is complete will we be together. Sacrifice? Why should I do anything for you? You lied to me. Betrayed me. You really don't look so good anymore. You must forget the past.
despite who you are now, you will also become something more, just as I have. But the sacrifice must be made. We must remain here and guard the artifact. Dark things will come to claim it, and you must be strong to keep it from them. Without your sacrifice, the world will fall into eternal darkness. The things I do for love. Ce qu'il faudrait, c'est que ça arrive à de l'ordre de Mino. Comme ça, il arrête avec ses références cheloues. Ok, ça va pas m'aider ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Voilà. Référence à Mortal Kombat. Non, ça c'est pas ici. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire maintenant. Hello? Non, je suis full en santé mentale. Là, c'est bien ce qui me semble. Sort, liste de sort. Enchanté objet, jeté sur l'épée. Et ben nous attaquons la partie 5 du let's play. Pas si j'arrive à garder la santé mentale à haut. Will be in alignment soon. All is prepared for your arrival. I will begin the final incantation that will bring you into our world within days. The next millennium will truly usher in a new age. Your guardians, now prepare the gate. Dans deux petites secondes.
Voilà. Alors, on s'en débarrasse. Plus qu'à la lire, en fait. Voilà. Là, j'ai dépassé ma propre sauvegarde. Mon pote Laura. I will not argue that I was shocked by the sudden mention of one of my ancestors, the distinguished Dr. Maximilian Roivas. It chilled me to my bones. Where had this ancient book come from? How had my ancestor stumbled upon it? I feverishly began to read more, eager to learn his story. It seems that Maximilian had inherited his father's mansion, just as I had. Alone since the death of his wife, and since his children had their own adult lives, he explored the house to discover his family roots. Désolé pour le bruit. J'ai le t-shirt qui colle. It has been 2 weeks since the death of my father, and it has finally come to me to look over the mansion. Now, I am truly alone, forced to start a new life here in Rhode Island. I intend to make the mansion mine and live in it as my forefathers have, to continue the family tradition. Mansion has its secrets, I'm sure. My time here, I have to make them mine. Oh putain, le pistolet Silex. Ah, ça fait infernal. Cunégonde, quelle est cette chose? Ça, c'est de l'arme à feu. Je ne sais plus du tout ce qu'il faut faire. Wouah, l'enfoiré. Ouais, ben la prochaine fois, il prend une balle. D'accord, ok. Les sorts sont uniquement disponibles en VOD. Où êtes-vous? Putain, mais c'est quoi ces domestiques là? Ils font pas de bruit non plus. Je veux pas dire, depuis tout à l'heure, je passe mon temps à ramasser des munitions. J'adore comme quoi la musique correspond pas du tout à l'époque du jeu, quoi.
D'accord, je pensais parler à la petite domestique là. Rien de plus naturel que de voir le maître de maison se balader une arme à la main, quoi. Je trouve ça totalement naturel, moi, perso. Cherche pas à grognasse, je t'ai entendu cette fois. Bon, d'accord, j'ai pas entendu la seconde. C'est rouge. Ah, là je suis badass. J'adore comme la domestique marchait tranquillement derrière. Il y avait aussi des grands problèmes avec ces armes. Ouais, Tom Cruise, Sandra Bullock et Ben Affleck, y'a pas de soucis. Au secours, on veut ma peau. Tu
Gertrude, qu'est-ce que c'est que cette comédie? Diantre. Ah. Bien sûr, j'ai rien pour charger la lumière. Bien. D'accord. Mais arrête, putain, bitelé. Tu vas pas t'émerveiller dès que tu vois un trou du cul, quoi. Sans déconner, t'as osé me faire la blague du corps qui explosait. Foiré. Bon, je parie qu'il faut que je remonte pour aller à la rosaire. Au rosaire. Me serais-je trompé? Il y a clairement un objet là derrière. Presque failli me faire peur. C'est aussi flippant que de voir Lord Minos sous la douche. Pardon, excusez-moi, je répondais à une question de Lord Minos. Celui-là a signé. Quoi, aussi flippant que moi qui mange un hamburger, tu veux dire sans faire tomber des miettes de partout? Et proprement, sans faire un seul bruit? C'est flippant ça. D'accord.
Pas sûr que ça sert à grand chose ce truc au final. Peinard. La clé du sous-sol, et c'est là où on avance dans le jeu. Mazentov, c'est un connard. Putain, j'aurais dû le buter là. Bah oui, sinon ce serait pas drôle. C'est celui qui t'encule quand il le faut. Tu peux aussi craindre les coups que je te mets. C'est pas mal. Lol. Je me suis fait défoncer pour rien. Nouveau sort, ouais. Toi. Ensuite. Absorption. Tour. Alors. Ça. Rétablissement. Assigné et normalement je peux me soigner. Ok, voilà, ça c'est fait. T'as pas envie de m'attaquer par hasard?
sous-sol. Oh putain, niveau sort. Bonjour. Liste des sorts. Ok. Celui-là et celui-là. Ah oui, parce que bien sûr, il faut mettre les couleurs, comme vous pouvez le voir sur le tableau sur la gauche. Le vert craint le rouge, mais le bleu craint le vert. Voilà. Parce que non, ça serait beaucoup trop bien sûr. Voyons. C'est... J'avais rechargé. Pistolet à silex, ça sert à rien. Le pire, c'est que même dans la réalité, hein, il faut arrêter, ces trucs-là ne tuaient pas, quoi. Il fallait vraiment être malchanceux pour mourir d'un coup de feu de pistolet à silex, quoi. Ou être chanceux, je sais pas. Putain, l'accro de la science, quoi. Boom. Et je vais me faire attaquer. J'adore le professionnalisme de ces servantes. Il y a une seconde, c'était « Oh, le jour normal !» Il n'y a pas de souci. En plus, tu faisais ton boulot, je sais pas pourquoi je t'ai tapé. Destructeur, ouais, seulement pour les os et tout ça. Le taux de mort était beaucoup plus faible que ce que tu crois. Bah, tu sais quoi?
tu peux prendre autant de magnum avec pareil et double que tu as envie. Il faudra déjà que tu puisses le soulever, me viser et appuyer sur la gâchette sans te faire arracher le bras, vu que tu sais pas t'en servir. Surtout maintenant un double canon. Ça veut dire deux balles de magnum qui partent d'un coup. Réfléchis. Et là, on parle même pas de pistolet à silex, ça n'a rien à voir. La pompe la plus efficace au monde. Moi, ce que je trouve fabuleux, c'est ta façon de les éradiquer en fait. Non, putain, je pensais que ça allait revenir. Voilà. Trois champs de force. J'avais oublié qu'il y avait ça sous la baraque. Personne. Non, alors, Minos, toi t'es pas Nicky Larson, t'es Nick l'arnaque. C'est pas pareil. Il est vert. Faut que je fasse du rouge. Nickel. Si je les enchantais en rouge. Oh, con.
Ça a fait exactement ce que je voulais. Ça, c'est dommage. Instead, they jeered and threw me into this forsaken place. Empty souls and footsteps, reeking of fetor and decay, thinking me mad with delirium. Fools cast away their hopes of salvation, but locking me in this damned asylum. May the rats eat your eyes! I am now lost to your cause! The darkness comes! It will damn us all! Ouais, enfin! Ça y est, chapitre 5 terminé. Oh. Franchement, je suis content de m'être débarrassé. On va faire le plein d'un peu de tout. Je sais pas pourquoi j'essaie de me soigner alors que je suis pas. Et après il y a magie, bon ça c'est pas trop grave. Donc voilà, mais écoutez, c'est la fin de ce stream et j'espère que la vidéo vous a plu. Enfin le stream vous a plu. Et puis de toute façon je continuerai ça, je verrai soit sur un autre stream, soit sur une vidéo. J'en sais rien. Voilà, franchement je suis crevé, j'ai chaud, j'ai soif. J'ai envie de dormir. Donc je vous laisse tranquille pour cette fois-là. Et j'espère que vous avez passé une bonne soirée à ma compagnie. Ciao tout le monde. Et bien sûr, soyez sages.